کنفرانسی حمایت اکثریت سنای فرانسه از مقاومت ایران و شهر اشرف پاریس کاخ لوکزامبورگ 22 دی ماه 1389 Mesdames, Messieurs, chers amis, mes chers collègues, je voudrais saluer évidemment Madame Myriam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, Madame Boumediene, Monsieur le Premier ministre Rosali, notre ami Monsieur Rajavi, les avocats, etc. Donc, depuis que nous avons créé le CFID, Comité français pour un Iran démocratique, avec François Colcombe notamment qui est ici, Alain Vivien qui va arriver et d'autres, dans cette même salle, au Sénat, je crois que la menace que fait peser le gouvernement iranien et le régime des mollahs est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Encore plus forte sur plusieurs points, je serai très bref. Bien sûr, sur le plan de l'arme nucléaire, on voit bien que l'Iran joue au chat et à la souris avec les grandes puissances et se moque ouvertement des menaces de sanctions qui sont faites et que donc, à l'abri de ces pseudo-contrôles, il développe peut-être une arme nucléaire à visée militaire. On voit bien que le régime des mollahs déstabilise totalement toute la région, le Moyen-Orient, l'Orient et maintenant une partie de l'Afrique, car l'Irak, pour ne parler que l'Irak dont on le reparlera tout à l'heure, le gouvernement irakien de M. Maliki est sous l'emprise totale de l'Iran, n'a aucune marge de manœuvre. Les mouvements extrémistes Hamas et Hezbollah sont, bien entendu, financés et soutenus en partie par l'Iran, par d'autres aussi d'ailleurs. Et ça s'étend, aujourd'hui on le voit malheureusement, jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Quant aux droits de l'homme, faut-il en parler? Notre ami Louis Mermaz en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure parce qu'il s'est spécialisé dans ces questions-là depuis longtemps. Les mouvements à la suite des fraudes lors des dernières élections présidentielles ont été réprimés violemment. Donc aujourd'hui, apparemment, ça bouge moins, même si la vague de fond dans la société iranienne est présente et profonde. Les procès se succèdent. Vous avez vu hier dans Le Monde qu'une des avocates qui défendait les droits de l'homme très connue est, je sais pas, 10 ans de prison, 30 ans d'interdiction, donc, c'est-à-dire éliminée des juridictions iraniennes. Plus de 180 condamnations à mort durant l'année dernière. Et à l'extérieur, la répression des Irakiens qui sont réfugiés, des Iraniens, pardon, qui sont réfugiés en Irak, au camp d'Ashraf, sous la protection des conventions de Genève, qui ne sont absolument pas respectées par les autorités irakiennes. Tant que, malheureusement pour d'autres raisons, l'occupation américaine en Irak était présente, on peut dire que les choses étaient à peu près en l'état depuis, les forces irakiennes, on l'a vu ici, ont tout loisir de s'attaquer périodiquement aux résidents du camp d'Ashraf. Donc la réunion d'aujourd'hui est
bien entendu, destinée à évoquer toutes ces questions par les différentes personnalités qui interviendront, mais aussi à rendre publique une déclaration de soutien à la résistance iranienne, de soutien notamment aux résidents d'Ashraf, qui a été signée par, aujourd'hui, la majorité absolue des sénateurs. Parmi ceux-ci, j'en parlerai tout à l'heure, des sénateurs éminents. Et cette déclaration est importante. Sur cette question-là, nous avons trouvé un consensus sur un sujet de politique étrangère qui est ce qui est particulièrement digne d'intérêt. Un sujet de politique étrangère qui, on le sait, est sensible, puisque, on peut le dire, la France, comme d'autres démocraties, comme l'Europe, comme même les États-Unis, font preuve d'une très grande lâcheté, à mon avis, vis-à-vis du régime des Mollahs. Et que peut-être que s'ils se montraient un peu plus sévères, peut-être que le peuple iranien en souffrirait un peu, mais en souffrirait-il plus que ce qu'il endure aujourd'hui? J'en doute. Donc, parmi les signataires sénateurs de cette déclaration figurent évidemment des figures éminentes de chaque groupe. On peut citer pour le groupe socialiste notre ami Robert Badinter, qui s'excuse de ne pouvoir venir aujourd'hui, Michel André et Bariz Ahyari, qui nous rejoindront tout à l'heure. Pour le groupe UMP, le président Gérard Longuet. Il y a également des présidents de commissions, de la commission des lois, des affaires économiques, des vice-présidents, et parmi eux, des présidents de régions, de conseils généraux, des anciens ministres, etc. Et donc, ça fait suite à des textes similaires d'une vaste campagne de soutien. Avant nous, 334 députés et également 5000 maires de villes ont signé une déclaration semblable, qui ont été remises d'ailleurs à Madame Rajavi, pour les députés à l'Assemblée nationale, pour les maires au cours d'une cérémonie d'abord dernièrement à la mairie du premier arrondissement, je crois, et également à l'hôtel, je ne sais plus lequel, rue de Rivoli ou quelque chose comme ça, auquel j'assistais. Cet élan de solidarité bien légitime, et qu'on aimerait qu'il soit plus partagé, notamment par nos autorités gouvernementales, ne s'arrête pas aux frontières de la France, puisque 30 parlements en Europe, la Chambre des représentants américaine, les parlements australiens, canadiens et les parlements de quelques pays arabes ont également apporté leur soutien à Ashraf et à la résistance du peuple iranien. Ce qui est important, c'est la déclaration qui a été adoptée au Parlement européen le 25 novembre dernier, à la majorité, par le Parlement européen. Donc une déclaration qui réunit, on le voit bien, des députés de tous les pays de l'Union et évidemment de toutes les formations politiques qui sont représentées au sein du Parlement de l'Union. Il est ici question évidemment des différentes exécutions et notamment, on peut dire, de la peut-être une des dernières, malheureusement pas la dernière, d'entre elles, celle d'Ali Sarimi, prisonnier politique de 62 ans, qui vivait en Iran et qui a été exécuté à mort dernièrement, uniquement, certainement parce qu'il a des sentiments en faveur de la résistance iranienne, tout au moins on peut le supposer, mais officiellement parce qu'il est père d'un moujahidine du peuple qui est installé aujourd'hui à Ashraf. Et donc on voit bien que par là, la répression iranienne veut s'attaquer aux familles